Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, mon nom est Marie-Josée Charron, je suis la greffière à la Ville de Lavaltrie. Avant d'amorcer cette séance du conseil municipal, on va procéder à une petite cérémonie protocolaire d'assermentation. Je vous explique le pourquoi. En fait, vendredi dernier, c'était la dernière journée de mise en candidature pour les personnes qui souhaitaient se présenter aux élections municipales. Nous avions 9 postes en élection, 1 à la mairie, 8 au poste de conseiller, et 9 candidats ont déposé leur candidature, et ce, sans opposition. Alors, tous les candidats ont été élus par acclamation vendredi dernier. Donc, on va les assermenter ce soir de façon plus officielle. Pour le déroulement, je vais inviter chaque élu à se présenter en avant, à lire son serment, à le signer dans le livre de la ville, puis après ça, à prendre place à sa place respective à l'avant. Alors, je vais commencer par le maire, M. Christian Goulet. Bonsoir tout le monde. Je, Christian Goulet, domicilié au 234 rue Georges Laplante à Lavaltrie, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Lavaltrie et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Merci, M. Goulet. Merci. Je vais mettre votre crayon ici. Ah, merci. Mesures sanitaires obligent. Alors, on va poursuivre avec M. Denis Moreau. Excusez. On va poursuivre avec M. Denis Moreau, conseiller municipal du district numéro 1 des Terrasses. Bonsoir à tous. Je, Denis Moreau, domicilié au 141 rue Aubry à Lavaltrie, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Lavaltrie, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Monsieur Pascal Tremblay, conseiller municipal du district numéro 2 de La Rivière. Je sais que c'est là, je vais aller chercher mon crayon. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là, c'est gentil. Je, Pascal Tremblay, domicilié au 360 Notre-Dame à Lavaltrie, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Lavaltrie et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Mon crayon, c'est là. Madame Anne Charlot-Méran, conseillère municipale du district numéro 3 du Chemin du Roi. Bonsoir, chères citoyennes, chers citoyens. Merci de nous accompagner ce soir. Je, Anne Charlot-Méran, domiciliée au 220 rue L'Espérance à Lavaltrie, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Lavaltrie, et je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Félicitations. Merci.
Monsieur Jocelyn Guévremont, conseiller municipal du district numéro 4 de l'Érablière. Bonsoir tout le monde. Alors, je, Jocelyn Guévremont, domicilié au 85 rue Carole à la Valtrie, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de la Valtrie, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Merci beaucoup. Madame Francine Rangé, conseillère municipale du district numéro 5 du Boisé. Alors, bonsoir. Je, Francine Rangé, domiciliée au 250 rue Nathalie-André à la Valtrie, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de la Valtrie et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Monsieur Robert Pellerin, conseiller du district numéro 6 du Golfe. Bonsoir à tous. Monsieur Pellerin. Monsieur Robert Pellerin, de ici au 90 rue du Domaine Caché à la Valtrie, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et dans le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de la Valtrie et que je m'engage à respecter les règles et de ce code applicable après la fin de mon mandat. Lisette Falker, du district numéro 7 de la Chasse-Galerie. Bonsoir tout le monde. Je, Lisette Falker, domiciliée au 300 rue Nathalie-André à la Valtrie, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de la Valtrie et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Madame Marie-Pierre Villeneuve, conseillère municipale du district numéro 8, Saint-Antoine. Je vais chercher le crayon aussi. Bonsoir, je vous lis le serment pour la 9e et dernière fois. Je, Marie-Pierre Villeneuve, domiciliée au 16 boulevard Jean-Boisvert à la Valtrie, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de la Valtrie et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Et en tant que greffière, je confirme que tout a été déclaré sous serment devant moi le 4e jour du mois d'octobre 2021 à la ville de la Valtrie.
C'est bon? Hein? Bonsoir encore une fois tout le monde. Bienvenue. Avant de débuter la séance du Conseil de ville, seulement un petit mot avant de débuter, parce qu'on va débuter avec une nouvelle équipe en place, mais j'aimerais prendre quelques instants pour souligner l'engagement de certains élus qui ont travaillé avec nous au cours des dernières années et qui ont fait le choix de ne pas se présenter pour un nouveau mandat, dont M. Gaétan Bérard, conseiller du district 8, fier représentant des citoyens de son secteur, notamment ceux du domaine Charbonneau, pendant 3 mandats, 12 ans à se faire le porte-parole des citoyens de la Valtrie et principalement des agriculteurs. En effet, durant ces années, il s'est entre autres engagé dans des dossiers des travaux publics, de l'agriculture et ainsi que de la sécurité publique. Mais je souhaite bonne chance à M. Gaétan Bérard dans ses prochains défis. Également, Mme Isabelle Charrette, conseillère sortante du district 3, en poste depuis 8 ans. Elle a soutenu la cause du sport et des loisirs et, au cours des dernières années, a surtout démontré de l'intérêt pour la culture, la préservation du patrimoine et de l'histoire de la Valtrie. Également très engagée à l'école de la Rive en persévérance scolaire. Donc, je souhaite bonne chance à Mme Charrette, puis merci pour le temps consacré à la communauté. C'est de longues années pour les citoyens, vraiment encore bravo à Mme Charrette et à M. Gaétan Bérard. Donc, ouverture de l'Assemblée. Point 3, c'est l'adoption du procès-verbal des séances du 13 septembre 2021. Ça me prend un proposeur. Monsieur Tremblay, un secondeur. Madame Ranger. Fait. À ma droite. Oui. C'est bon. À ma gauche. Oui. Oui. C'est bon? Oui. Vous pouvez juste vous se lever la main, comme ça je vais être sûr de vous voir, parce que des fois, si je vous entends pas. Donc, point 4, qui est aménagement du territoire et urbanisme. 4.1, c'est un dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 29 septembre 2021. 4.1.1, demande de permis PIIA, 1400 rue Notre-Dame. Madame Falker. Oui, donc le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par un Médifice Construction. Là, je trouve ça un petit peu dommage parce que je ne peux pas voir l'écran comme ça, mais on va vous présenter quelque chose de très intéressant. Donc, le projet, il vise à modifier l'apparence extérieure du bâtiment situé au 1400 rue Notre-Dame, ainsi qu'à réaménager l'aire de stationnement en cour avant et sur le terrain contigu, ce qui va impliquer également la démolition de la résidence qui est au 1440 rue Notre-Dame. Donc, on parle de la bâtisse qui abrite le CLSC. Il y a un plan d'aménagement paysager qui va être déposé également ultérieurement. Les plans de construction qui nous ont été déposés respectent les objectifs et les critères du règlement de PIA. C'est aussi un projet qui a reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, mais avec des conditions. Donc, je propose que le conseil municipal approuve les plans du projet déposé par Médifice Construction et produit par l'atelier urbain en date de septembre 2021. Conditionnellement à ce que le réaménagement extérieur soit conforme au scénario C qui est proposé par l'atelier urbain, ce qui inclut l'utilisation de conteneurs semi-enfouis pour les déchets et le recyclage. Une autre condition, c'est qu'un plan détaillé des aménagements paysagers soit déposé et approuvé au plus tard le 1er février 2022. Et également que le trottoir qui relie les entrées en façade du bâtiment et qui conduit aux traverses piétonnières à l'intersection des rues Notre-Dame et Saint-Antoine soit conçu de manière à assurer l'accessibilité universelle pour les usagers. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Gavremont. À ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Excusez-moi, M. Goulet, il manquerait l'adoption du procès-verbal du 13 septembre. On n'a pas fait ça. Ouais. On a fait l'ouverture de l'Assemblée, on n'a pas fait l'adoption du procès-verbal.
L'adoption du procès-verbal? Du 13 septembre. Ah, OK, l'adoption du 13 septembre? Oui. OK. Oui, hein? C'était Pascal, puis Mme Rangé. Bon. Donc, 4.2, demande d'autorisation de démolition, 1440 rue Notre-Dame, Mme Falker. Donc, le dossier est relié, évidemment, au précédent. Le conseil municipal a été saisi d'une demande d'autorisation de démolition présentée par Médifice Construction. Ça vise évidemment la démolition de l'immeuble qui est situé au 1440 rue Notre-Dame. L'utilisation projetée du sol dégagé suite à la démolition de cette habitation unifamiliale vise le réaménagement plus fonctionnel du stationnement de l'immeuble qui est situé au 1400 rue Notre-Dame, qui loge entre autres le CLSC. Et le conseil municipal, après étude de la demande et la prise en considération des différents critères mentionnés à l'article 8.2 du règlement concernant la démolition d'immeubles, entend accorder l'autorisation de démolition, mais avec des conditions. Donc, je propose que le conseil municipal autorise la démolition de l'immeuble conditionnellement à ce que le sol dégagé soit obligatoirement réutilisé comme illustré au plan d'aménagement portant le numéro de projet X, là. Produit par l'atelier urbain en date de septembre 2021, puis ça dans un délai maximal d'un an à compter de la date de la démolition du bâtiment. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Falker, appuyé par M. Guévremont. À ma droite? Oui. À ma gauche? Oui. 4.3, demande d'autorisation de démolition 113 rue Isabelle. Mme Falker. Le conseil a été saisi d'une demande d'autorisation de démolition présentée par M. Yutin Nguyen. Le projet vise la démolition de l'immeuble situé au 113 rue Isabelle. L'utilisation projetée du sol dégagé suite à la démolition de cette habitation vise la construction d'une nouvelle habitation unifamiliale pour laquelle on a eu présentation aussi du plan de remplacement. Ce bâtiment-là, il n'est pas inclus à l'inventaire patrimonial de la MRC de Dautré. Puis le conseil municipal, après étude de la demande concernant cette démolition, entend accorder l'autorisation de démolition. Donc, je propose que le conseil autorise la démolition du 113 rue Isabelle. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Guévremont. À ma droite? Oui. À ma gauche? Oui. 4.4, adoption du règlement, rénovation de façade et d'enseigne et verdissement des cours avant. Mme Falker. Oui, donc je propose qu'on adopte le règlement établissant le programme d'aide financière pour la rénovation de façades et d'enseignes et pour le verdissement des cours avant tels que déposés. Si on se souvient, en résumé, là, on modifiait ce programme d'aide financière-là parce qu'on l'élargissait aussi là, au niveau de toute la rue Notre-Dame sur toute sa longueur. On ajoutait aussi la rue Saint-Antoine-Sud et Nord jusqu'à Jolibourg. On ajoutait aussi le volet 4 qui visait le verdissement en cours avant. Et puis, on venait bonifier les montants aussi qui sont dans ce programme-là. Donc, je ne vais pas réénumérer l'ensemble du règlement. Par contre, je vous réfère à la séance de septembre, là, ceux qui voudraient avoir vraiment un peu plus de détails. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Charlot. À ma droite? Oui. À ma gauche? Oui. 4.5, c'est tout simplement un dépôt du rapport de consultation écrite pour le règlement qui va suivre. Donc, 4.6, adoption du règlement en PIIA et gestion des règlements d'urbanisme. Mme Falker. Donc, je propose que le conseil adopte le règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et le règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme, notamment afin d'assujettir au PIA certaines interventions en bordure de la rue Notre-Dame, de la rue Saint-Antoine-Nord et du chemin de la Valtrie. C'est un petit peu en lien avec le règlement précédent. Puis encore là, en septembre, on avait vraiment fait la présentation un petit peu plus détaillée. La modification, elle a pour but d'assujettir, en fait, le PIA à l'ensemble, à l'agrandissement du secteur. Donc, on ajoute les propriétés qui longent, qui bordent la rue Notre-Dame, de la montée Guy-Mousseau jusqu'aux limites de Saint-Sulpice. On ajoutait également, là, sur Notre-Dame, jusqu'à la rue des Pins, aux limites de la Noraie. Et puis, tout ce qui bordait aussi la route 131 jusqu'à la rivière Saint-Jean.
Là aussi, il y avait différentes modifications là, dont je vous ferai grâce, là, qui sont vraiment très, très bien détaillées là, à la séance de septembre, puis il n'y a pas eu de modification entre-temps. Donc, j'en propose l'adoption. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Gavremont, à ma droite, oui. À ma gauche. Oui. Pour les gens moins habitués, un PIIA. Hein, des fois, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est plan d'implantation et d'intégration architecturale. Point 5, loisirs, culture et relations à la communauté. 5.1, appui, demande parc rural, maison des jeunes. Monsieur Moreau. Attendu que la maison des jeunes de la Valtrie a déposé deux demandes d'aide financière dans le cadre du parc rural de la MRC d'Autré. Attendu que le premier projet consiste à aménager une mezzanine dans le local actuel de la Maison des jeunes et que le second projet vise à aménager un espace de rassemblement extérieur pour les jeunes sur le terrain de l'organisme. Que la Ville de la Valtrie appuie les demandes d'aide financière au parc rural de la MRC d'Autré, présentée par la Maison des jeunes de la Valtrie, concernant le projet d'aménagement d'une mezzanine dans le local actuel, ainsi que celui d'aménager un espace de rassemblement extérieur pour les jeunes sur le terrain de l'organisme. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 5.2, affectation des excédents de fonctionnement au fonds du 350e qui aura lieu en 2022. M. Gavremont. Oui, donc, comme M. Meur vient de le mentionner, le 350e anniversaire de fondation de la ville de la Valtrie, on a déjà commencé là, à organiser ces activités-là qui s'en viennent et que le projet, dans le fond, c'est qu'on affecte, je cherche un mot, que le conseil autorise l'ajout de son excédent affecté, festivité du 350e, d'une somme de 200 000 $ pour l'exercice financier 2021. Donc, à partir des excédents que nous avons, on en budgète une partie à ce projet-là. Que cette somme s'ajoute à l'affectation de 40 000 $ déjà autorisée pour l'exercice financier, parce qu'on avait fait une réserve déjà il y a quelque temps, conformément à la résolution numéro 210328. Que cette somme soit transférée à partir des excédents de fonctionnement non affectés. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Gavremont, appuyé par M. Moreau, à ma droite. Oui. Oui. C'est bon. À ma gauche. Oui. Oui. 5.3, reconnaissance des organismes. Donc, ce sera M. Moreau. Attends, Madame Villeneuve. Bien, pour raison de conflit d'intérêts, je vais me retirer. Il faut juste dire c'est quoi le conflit d'intérêts. C'est en lien avec le partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi d'Autré-Joliette, pour lequel, dans le fond, je suis administratrice du conseil d'administration. Parfait. Monsieur Moreau. Attendu que le conseil souhaite, par l'entremise de sa politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, reconnaître et soutenir les organismes qui participent au mieux-être de la communauté lavaltroise. Attendu qu'afin d'être reconnu par la Ville de Lavaltrie, les organismes doivent faire une demande en bonne et due forme au service des loisirs, de la culture et des relations de la communauté et déposer les documents exigés. Que dans le cadre de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes de la Ville de Lavaltrie, le conseil municipal reconnaisse, selon la classification proposée, les organismes énumérés dans le tableau déposé, lequel est annexé à la présente résolution pour en faire une partie intégrante. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Falker, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Donc, Mme Villeneuve, vous pouvez réintégrer votre... Hein? Je m'en vais. Point 6, développement durable, environnement et transport collectif. 6.1, autorisation de signature, mandat juridique, réserve foncière, l'eau de rivière. Monsieur Tremblay. Avant de tomber dans la réserve foncière, peut-être expliquer le conflit d'intérêts. Là, ça a l'air absurde de dire « je me retire puis je reste là ». En comité plénier, les élus qui sont en conflit d'intérêts quittent la salle parce que les décisions, vous comprendrez bien que les décisions sont prises en comité plénier. C'est là qu'on en discute.
Fait que là, évidemment, Mme Villeneuve, puis n'importe quel élu qui se retrouve en conflit d'intérêts, quitte la salle à ce moment-là lors des délibérations et réintègre ensuite au point suivant. Fait que je voulais juste mentionner ça, ça a l'air fou un peu, fait que je voulais l'expliquer. Réserve foncière, maintenant, j'en ai déjà parlé, ça en lien avec un super beau projet qu'il y a sur la Presqu'île. Presqu'île, sur le bord du fleuve, entre rue de la Rivière et, mettons, du domaine caché. On est là. C'est un site qui est incroyable. La ville veut le développer en tant que parc nature. Et là, on avait déjà annoncé des réserves foncières. Qu'est-ce qu'une réserve foncière? C'est une mesure légale que la ville peut mettre de l'avant, qui fait un effet de gel sur des terrains pour permettre à la ville de soit acquérir ces terrains-là dans un délai de 2 ans ou aller carrément en expropriation si jamais la ville n'arrive pas à s'entendre avec les 10 propriétaires. Donc, on le fait sur tous les lots de la Presqu'île. Et là, bien, étant donné que le projet avance puis qu'on a des plans d'ingénierie pour un futur pont d'accès, il nous manquait des parcelles de terrain. Donc, je vous épargne, honnêtement, là, les lots, ça ne vous dira absolument rien de toute façon. 3 500 000, hein, ça ne sert à rien. Donc, il y a des lots qui sont inclus là-dedans. Je propose donc que le conseil municipal décrète l'imposition d'une réserve foncière pour des fins publiques en conformité avec les dispositions de la loi. C'est l'article 29.4, vous irez lire ça ce soir, et des articles 69, suivant la loi sur l'expropriation contre les immeubles, ci après décrit, c'est les lots que j'ai mentionnés tantôt, que soit ratifié le mandat des procureurs de la ville, le cabinet Bélanger-Sauvé, pour procéder aux démarches nécessaires afin de voir à l'inscription d'un avis de réserve foncière en regard des lots, que la ville prenne acte et approuve le dépôt au bureau de la municipalité d'une copie de la description technique vidimée. Et ça, j'ai appris quelque chose. Vidimée, ça veut dire que c'est une copie conforme authentique. Fait que je savais pas. Fait que j'ai appris un nouveau mot de vocabulaire en lisant mon texte pour me préparer. Vidimée. Ben, ça aussi, vous l'aurez appris ce soir. Donc, vidimée par l'arpenteur géomètre Pascal Guilbeault en date du 12 août 2021 sous le numéro 11300 des minutes identifiant les 10 lots. Que le directeur général, M. Marc-Olivier Brault, soit autorisé à signer pour et au nom de la ville les documents relatifs à ce dossier. J'en fais donc la proposition. Proposé par M. Tremblay, appuyé par Mme Charlot, à ma droite. Oui. Oui. À ma gauche. Oui. Oui. Point 7, administration, ressources humaines et financières. 7.1, nomination, chef de division, culture et patrimoine. M. Moreau. Attendu qu'il y a lieu de revoir le statut et les responsabilités de la personne qui occupe la fonction de chef de division culture, patrimoine et festivités du 350e en remplacement, donc c'était Mme Amélie Boutin qui était un statut temporaire, que le conseil municipal procède à la nomination de Mme Amélie Boutin au poste régulier de chef de division culture, patrimoine aux services et loisirs, de la culture et de la relation à la communauté, et ce, à compter du 4 octobre 2021. Que M. le maire Christian Goulet et le conseiller responsable de l'administration et des ressources humaines, M. Jocelyn Gavremont, soient autorisés à signer pour et au nom de la ville de La Veltrie le contrat de travail de Mme Boutin. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. Oui. À ma droite. Oui. Oui. 7.2, création de postes chargés de projet 350e et événement. Monsieur Guévremont. Oui. Oui, c'est à vous. Donc, suite à ce qu'on vient de nommer, de procéder à la nomination, Mme Boutin, ça crée un mouvement de personnel, donc au niveau de services culture et relations à la communauté, et que les festivités du 350e auront toujours lieu en 2022. Donc, que le conseil municipal autorise la création d'un poste cadre contractuel pour une durée de 14 mois à titre de chargé de projet 350e et événement. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche. Oui. Oui. À ma droite. Oui. Oui. 7.3, création de poste commis réceptionniste au service administratif. Monsieur Guévremont. Oui, donc pour bien remplir les besoins organisationnels du service administratif, notamment pour le volet service à la clientèle,
Et compte tenu des orientations de la planification stratégique et l'axe d'intervention, organisation interconnectée avec les citoyens performante et efficiente, ça fait des grands mots, mais c'est des paniers de services pour que ça soit plus efficace. Donc, que le conseil municipal autorise la création d'un poste régulier à temps complet de commis réceptionniste au service administratif pour répondre à ses besoins. J'en fais la proposition. Proposé par M. Guévremont, appuyé par Mme Falker, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 7.4, dépôt, embauche et démission par délégation de pouvoir du directeur général. C'est tout simplement un dépôt. Bien, tout ce qu'on vient de voter avant, c'est dans le dépôt suite au départ de certaines personnes. Donc, ça, c'est un dépôt. 7.5, autorisation de signature, session de l'église de Lavaltrie. Monsieur Guévremont. Oui, tout ça découle là, de l'incendie de la chasse-galerie qui se sont installés ici à l'église. Donc, c'est de prendre possession, dans le fond, là, de l'église de Lavaltrie. Donc, le conseil municipal autorise le maire, M. Christian Goulet, et le directeur général, M. Marc-Olivier Brault, à signer pour et nom de la ville de Lavaltrie l'entente ainsi que le contrat notarié avec la fabrique de la paroisse Saint-Frère-André relativement à la cession d'église sur le lot mentionné, situé au 1341 rue Notre-Dame. Donc, évidemment, là, il y a tout le terrain à bien délimiter à ce moment-là. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par M. Moreau, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 7.6, adjudication de contrat, travaux de pavage et mise aux normes du site de neige usé. M. Tremblay. Donc, ça dit pas mal ce que ça a à dire, là. C'est pour un travaux de pavage et de mise aux normes de notre site de neige usé. Site de neige usé qui est aux étangs aérés où s'en vont toutes les eaux usées de la ville de Lavaltrie, là, par les stations de pompage. Ça se termine là-bas. Superbe endroit pour aller pêcher. Non, allez pas pêcher, là. Donc, il y avait ouverture des appels d'offres aujourd'hui. Ça fonctionne toujours de la même façon, c'est-à-dire que c'est le plus bas soumissionnaire conforme. À partir du moment où on a vérifié la conformité, bien, on vérifie les montants. Et c'est le groupe RMA Inc. Qui s'est vu octroyer le contrat au coût de 297 856,30 incluant les taxes. Que cette dépense soit assumée par le règlement d'emprunt correspondant à cette proposition, le numéro 1 tel. J'en fais donc la proposition. Proposée par M. Tremblay, appuyée par Mme Villeneuve, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 7.6, adoption du règlement, entretien des barrages. 7.7. Oh, j'en ai-tu oublié un? Non. Non. Adoption du règlement, entretien des barrages, 7.7. Ben ça, c'est tout simplement, écoutez... C'est moi, ça. C'est toi, Jean? Oui. M. Guévremont? Oui, l'adoption du barrage... Parfait. Allez-y. Sinon, je l'aurais expliqué, on essaie de suivre. On ne va pas vous mettre dedans. On revient. Donc, oui, c'est concernant l'adoption du règlement numéro 002-24-2021, règlement de perception relatif à l'entretien des barrages. Ça, c'est une compétence. C'est la MRC, dans le fond, qui nous demande à ce que les agriculteurs s'entendent sur l'entretien de leur barrage. Parce que le montant de ces frais-là sont déjà déterminés entre eux. Il faut leur faire ce règlement-là toutes les années pour qu'ils puissent être conformes à ce moment-là. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Guévremont, appuyé par M. Tremblay, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Cette façon de fonctionner est très simple, c'est que la MRC ne peut pas taxer, pas le pouvoir de taxation. Donc, c'est pour ça qu'on est la ville de Lavaltrie, l'intermédiaire entre la MRC et les agriculteurs. 7.8, emprunt temporaire, règlement numéro, M. Guévremont. Oui, donc, attendu que la ville a contracté auprès de la Caisse des Jardins de Dautry un emprunt temporaire concernant le règlement 255-2019 suite à la résolution 2019-1040. Attendu que ce règlement a été abrogé et remplacé par le règlement 291-2021 décrétant des travaux de construction des réfections
d'infrastructures municipales. Donc, je propose que le conseil autorise le directeur des services administratifs et trésorier, M. Marc-André Desjardins, à annuler et fermer auprès de la Caisse de Dautry l'emprunt temporaire par le règlement 255-29. Que le conseil municipal autorise le directeur des services administratifs et trésorier, M. Marc-André Desjardins, à contracter une autre fois auprès de la Caisse des Jardins un emprunt temporaire pour le règlement numéro 291-2021, celui-ci décrétant des travaux de construction et de réfection d'infrastructures municipales et pourvoyant au paiement de ces travaux au moyen d'un emprunt de 15 084 612 $. Que le maire ou le maire suppléant et le directeur des services administratifs et trésoriers soient autorisés à signer pour et au nom de la ville les documents relatifs. Dans le fond, c'est le règlement concernant Arcan Espérance. Oui, c'est les travaux qui sont en train de se faire en ce moment. Donc, c'est une question de transfert d'argent là, puis de négociation de prêt d'intérêt là, à ce moment-là qui se passe, qui se produit. C'est l'emprunt temporaire, ça aurait payé parce que des emprunts comme ça, la ville, le gouvernement va en appel d'offres pour les emprunts sur l'ensemble du Québec deux fois par année, début d'année et vers la fin de l'année. Ce qui fait que quand il y a des travaux qui se font de cette ampleur-là, en attendant que le gouvernement parte en appel d'offres pour les emprunts des municipalités, on fait des emprunts temporaires. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par M. Moreau, à ma droite, oui. À ma gauche. Oui. 7.9, désignation d'un représentant comité de sécurité incendie de la MRC de Dautry. Monsieur Guévremont. Oui, donc que le conseil municipal désigne le maire, M. Christian Goulet, pour siéger à titre de représentant de la ville de La Veltrie au comité sécurité incendie de la MRC Dautry. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par Mme Charlot, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Oui. 7.10, autorisation de dépenses et dépôt du rapport budgétaire. C'est tout simplement un dépôt que chaque élu a reçu. 7.11, autorisation de paiement, compte à payer. Monsieur Guévremont. Oui, donc je propose que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 14 septembre au 1er novembre 2021 de la ville, incluant les dépenses du fonds d'administration et les dépenses en immobilisation, le tout pour une somme de 876 621,04 sous, selon le rapport déposé par le service de la trésorerie en date du 30 septembre 2021. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par M. Moreau, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Point de courrier. 8.1, courrier de la MRC, règlement. À toutes les fois qu'il y a un règlement qui change, évidemment, dans la MRC de Dautry, c'est transmis aux municipalités. C'est tout simplement pour déclarer la compétence du réseau de télécommunications. Comme plusieurs personnes le savent probablement, il y a deux projets dans la MRC de Dautry, dont un qui est pratiquement fini, qui est énormément avancé, qui est Dautry branché 1. Et par la suite, il y aura Dautry branché 2. Dautry branché 2, techniquement parlant, devrait brancher l'Internet dans l'ensemble du territoire de la MRC de Dautry. Évidemment, ça part par la MRC, donc c'est une compétence MRC. Également, la gestion contractuelle, c'est tout simplement le règlement qu'on a déjà passé ici à Ville de la Valtrie pour favoriser l'achat au Québec quand une municipalité ou une MRC achète. Donc, merci beaucoup tout le monde ici. Je vous remercie. Ce qui met fin à l'enregistrement pour notre Facebook, puis tout le monde à la maison, je leur souhaite une très belle soirée. Merci.